effectivement, il est pile 45 à ma Rolex. Donc, on va pouvoir, sans perdre de temps, passer la parole à Arnaud Gala de Mondor qui va nous parler de l'éventuel critère pronostic de l'épreuve d'effort avec détermination des gaz expirés. Merci Arnaud, c'est à toi. Merci beaucoup, Eric. Alors oui, donc je voulais vous parler de ce papier qui est sorti dans l'European Journal of Heart Failure récemment, qui s'est intéressé à la valeur pronostique de l'épreuve cardio-respiratoire dans les amyloses cardiaques. C'est un papier français hein, qui a été édité par l'équipe de Larry Boisière. Non, la slide passe pas. Alors, bien sûr, l'amylose cardiaque, c'est une maladie assez grave, comme vous le savez, qui est souvent de mauvais pronostic. Et l'épreuve cardio-respiratoire, VO2, c'est un examen clé dans l'insuffisance cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque et FEVG altérée, pour établir le pronostic des patients. Alors, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut recueillir sur l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, le principal étant bien sûr la VO2, qui a été décrite comme un bon critère, notamment pour sélectionner les patients en vue d'une transplantation ou d'une assistance cardiaque, avec un cutoff qui varie de bon, 14 à 12 si le patient est bêta-bloqué. Et on peut utiliser d'autres paramètres. Alors, il y en a plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais au moins la VE sur VCO2 qui a l'avantage de s'astreindre, enfin, il n'est pas influencé par le bêta-blocage ni par la motivation du patient. Et la puissance circulatoire, parce qu'on va s'y intéresser juste après, qui est la VO2 sur la tension artérielle systolique, qui, bien sûr, la tension artérielle systolique doit monter pendant l'effort et est associée au pronostic aussi. Alors, on se compare à quoi? Les principaux scores actuellement qu'on utilise dans l'amylose, bon, vous le savez, du coup, c'est pour les TTR, le staging de 1 à 3 en fonction du NT pro BNP et du DFG. Et pour les amyloses AL, alors il y a plusieurs stagings qui sont utilisés. Dans ce papier, ils ont retenu le staging de la Mayo modifiée en 1 à 4 stades en fonction du NT pro BNP, de la troponine et de la DFLC. L'objectif de l'étude, donc, c'est l'intérêt pronostique de cette épreuve d'effort cardio-respiratoire dans l'amylose cardiaque. C'est multicentrique et ils ont inclus de façon rétrospective entre 2015 et 2019 des patients qui ont fait une VO2 sur vélo. Une épreuve d'effort qui est maximale, hein, avec un quotient respiratoire qui est inférieur à 1,1, sans autre cause d'insuffisance cardiaque, notamment cardiopathie ischémique, valvulaire, etc. Ils ont pu inclure 150 patients, ce qui est pas mal, hein, déjà pour une cohorte d'amylose, 60% d'amylose AL, 27% d'amylose ATTR sauvage et 13% d'amylose TTR mutée. Le diagnostic des TTR, c'était essentiellement un diagnostic qui était non invasif et le diagnostic des amyloses AL, comme toujours, était histologique avec une biopsie cardiaque ou une biopsie extracardiaque avec des signes en faveur d'une atteinte cardiaque. Ils ont recueilli les événements qui sont les décès et les hospitalisations pour décompensation cardiaque, via le dossier des patients et des appels téléphoniques. Et ils ont pu comme ça suivre les patients de façon rétrospective pendant 20 mois en suivi médian. Quand on regarde l'ensemble de la cohorte, donc c'est des patients de 70 ans, 73% d'hommes. Bien sûr, le sexe ratio est tiré vers les hommes avec les TTR. Une FEVG globalement préservée, 55%, qui contraste avec la dysfonction longitudinale, un strain autour de moins 10, une cardiopathie hypertrophique, et des patients qui sont quand même assez graves, hein, des vrais insuffisants cardiaques, quasiment 40% de stade 3 de l'NYHA, un NT pro BNP médian à 2800. Et quand on regarde les stagings, donc chez les AL, il y avait 66% de stade 3 ou 4. Et chez les TTR, c'était environ 40% de stade 1, 40% de stade 2 et 20% de stade 3. Ils ont comparé brièvement les critères cliniques, biologiques et échocardiographiques entre les gens qui ont eu des événements et pas d'événements. Et sans surprise, on voit que bien sûr, les paramètres sont un peu plus altérés, la tension est plus basse, la FEVG est plus basse, le débit est plus bas, la fonction diastolique et ventriculaire droite est plus altérée et le BNP est plus élevé. De façon intéressante, on peut remarquer qu'il y a quand même 23% des patients qui sont bêta-bloqués. On peut se poser la question de l'intérêt du bêta-blocage de ces patients dans la cohorte, sachant que ça va bien sûr altérer leur capacité fonctionnelle. Ça, c'est les résultats donc, pour l'ensemble des paramètres qu'ils ont recueillis sur l'épreuve cardio-respiratoire. Globalement, on voit que c'est une cohorte d'assurance cardiaque et qu'une épreuve d'effort qui est très altérée, l'ensemble des paramètres est altéré. Ils ont une VO2 qui est à 13 en médian, ce qui est quand même assez bas, ça fait 56% de la théorique. Et on remarque qu'ils ont 56%, enfin 51% pardon, d'insuffisance chronotrope. Donc une insuffisance chronotrope qui est extrêmement fréquente dans l'amylose. Ils ont regardé ensuite sur les différents paramètres de la VO2, lesquels avaient la meilleure sensibilité et spécificité pour prévenir les outcomes, donc le décès et la décompensation cardiaque.
Et les deux qui sont sortis sur l'épreuve cardio-respiratoire, ce sont la VO2 et la puissance circulatoire, avec une AUC qui est autour de 0,7, et ce qui est à peu près équivalent, quand on regarde là, sur des valeurs quand même assez solides, qui sont les NRK-CHA, le BNP, et des paramètres échocardiographiques, comme la fonction diastolique ou le débit cardiaque. Sur l'analyse multivariée, ce qui ressort, c'est toujours la même chose, donc VO2 puissance circulatoire pour l'épreuve cardio-respiratoire. Et là, on efface les données d'échocardiographie et on sort avec le NT-proBNP et l'NYHA. C'est associé à la fois pour la mortalité, enfin le critère composite, donc mortalité totale et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, et c'est aussi significatif pour la mortalité totale seule. Ils ont regardé ensuite en multivarié si c'était des variables indépendantes et la VO2 et la puissance circulatoire, du coup, étaient de façon indépendante associées aux critères composites, mortalité ou réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Vous voyez ici les courbes du coup de Kaplan-Meier à droite avec la courbe de la VO2 et de la puissance circulatoire qui sont assez proches, hein, puisque les paramètres sont bien sûr liés l'un à l'autre. Et l'ajout du NT-proBNP. Et vous voyez qu'on poule les deux, il y a quand même une vraie plus-value de la VO2. Qui rajoute quand même enfin, qui est une valeur pronostique supplémentaire à celle du NT-proBNP. Les patients qui ont une VO2 supérieure à 13 et un NT-proBNP à moins de 1800, globalement, il n'y a aucun événement à 20 mois. Et ceux qui ont les deux paramètres péjoratifs, il y a plus de 50% d'événements à 20 mois. Pour la mortalité totale, on a des choses vraiment similaires. La différence, c'est que la puissance circulatoire, du coup, ne sort plus en multivariée et qu'ils ont retenu que la VO2. Et on peut retenir globalement exactement les mêmes paramètres et la même plus-value. De la VO2 par rapport au NT-proBNP. Maintenant, quand on se compare au staging de référence, donc pour les AL ici et les TTR, vous voyez que le NRI, donc, qui reclassifie enfin, entre Mayo Clinic 1-2 versus 3-4 et l'apport de la VO2, le NRI il a 0,16, donc c'est-à-dire qu'il y a 16% des patients qui sont reclassifiés comme étant des patients à haut risque avec l'apport du coup de l'épreuve cardio-respiratoire. Pour les TTR, le NRI est beaucoup plus faible à 0,05. Il n'y a pas de différence significative donc, entre la mortalité et le critère composite non plus entre TTR et AL. Et il n'y a pas de différence pour les données de l'épreuve cardio-respiratoire entre les TTR et les AL. Bon, après, ça reste un travail donc, qui est rétrospectif. Les effectifs sont limités, mais qui sont bien sûr dus à cette maladie qui n'est pas non plus si fréquente. Il n'y a pas tant de patients qui ont des VO2. Il y a peu de TTR héréditaires. Les courbes de survie, malheureusement, elles n'ont pas été comparées au staging habituel. Ça aurait été sympa de voir l'apport de la VO2 avec le staging habituel. Et il n'y a pas les données comparatives vraiment TTR à AL en fonction de la VO2, ce qui aurait été intéressant. Après, ça reste quand même un test qui est utile pour stratifier le pronostic. Ça semble séduisant d'utiliser donc la VO2 et la puissance circulatoire qui semblent indépendamment associées à la mortalité et la réhospitalisation, et la VO2 max seule donc associée à la mortalité totale. On peut remarquer, et c'est très intéressant, que l'insuffisance chronotrope est extrêmement fréquente, on le savait, mais c'est très intéressant de le revoir. 50% des patients, quand même, ont une insuffisance chronotrope. Et il n'y a pas de différence, encore une fois, entre les TTR et les AL. Probablement une meilleure reclassification, quand même, sur le pronostic des amylases AL. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud pour ce papier qui me fait un peu penser à celui de Mancini en 91. Hein. C'est un papier un peu princeps comme ça, où finalement on se dit qu'il y a quand même un critère pronostique qui est quand même bien démontré. Alors ma première question, puis je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent, ma première question c'est est-ce que finalement dans la pratique, toi, maintenant, parce que la VO2 a le vent en poupe, hein, en ce moment, les congénitalistes nous envoient des VO2, enfin, sans compter l'insuffisance cardiaque où c'est devenu vraiment une habitude. Est-ce que maintenant, tu vas commencer à envoyer tes patients en VO2 pour affiner un peu le caractère pronostique de tes patients? Alors, bon, bien sûr, ça dépend aussi de l'accès à la VO2, hein, mais bon, on le fait déjà en pratique clinique, on envoie déjà des patients à la VO2 dans enfin, les indications conventionnelles, hein, de la VO2, c'est-à-dire pour moi l'insuffisance cardiaque avancée, les patients qui sont éligibles éventuellement à une assistance, et assistance c'est quand même rare pour l'amylose, et surtout la transplantation cardiaque. Et bien sûr, pour enfin, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand le patient est essoufflé et qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, le bilan étiologique du dyspnée, c'est-à-dire qu'en pratique clinique, souvent les amyloses, on a des patients qui sont stade 3, les NRK-CHA ou 4,
très gêné. Et puis on regarde le BNP, on se dit, tiens, il n'est pas si élevé que ça. On regarde l'échocardiogramme, on se dit, bon, enfin, il n'est pas si grave que ça, je ne comprends pas. Et en fait, quand on le fait pédaler sur une épreuve d'effort comme ça, on voit très bien que le patient, bah, par exemple, il a une insuffisance chronotrope majeure, il est complètement déconditionné. Et là, franchement, c'est évidemment une plus-value. On se dit, bah, ce patient, on va l'envoyer en réadaptation, on va lui mettre un pacemaker, on va l'asservir à l'effort. Et puis le patient, il revient, il dit, ah, bah, je me sens beaucoup mieux, quoi. Alors justement, je rebondis avant de poser la question de Christophe. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on a démontré qu'ils ont un seuil qui est environ de 30% à 41%, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, qui démontre quand même qu'il y a une très net désentraînement de ces patients. Est-ce que ça va être un critère finalement? Tu vas envoyer tes patients, ceux qui sont le plus désentraînés, en réadaptation, et puis refaire une dose de derrière pour voir si on a gagné quelque chose, et surtout pour voir si finalement le pronostic change. Ah, bien sûr, c'est intéressant de. Oui, bien sûr, on a quelques données de patients qu'on a envoyés en réadaptation cardiaque qui ont amélioré, franchement, enfin, bon, c'est pas non plus, ils ne gagnent pas 5 points de VO2, mais ils gagnent quand même des fois 2-3 points, ouais, ça peut arriver de VO2, avec des patients qui se sentent mieux. Je pense que oui, la réadaptation cardiaque, dans l'insuffisance cardiaque d'une manière générale, c'est largement démontré que ça améliore les patients, d'améliorer l'extraction, enfin, les mitochondries, ça améliore clairement la VO2 et les capacités fonctionnelles des patients. Ouais. Ouais. Alors, la question de Christophe, que je lis dans l'étude. Ah non, on a beaucoup reproché au test de marche de 6 minutes sa non-spécificité évaluant le cœur, le poumon et la neuropathie périphérique. Qu'est-ce que tu penses de cette VO2? Justement, la grosse question, c'est la neuropathie périphérique, hein, qui a peut-être un peu moins de choses à voir avec le cœur et les poumons. Comment interpréter tout ça? Bah, disons que par rapport au test, bon, déjà, il y a une très bonne corrélation entre le test de marche et la VO2, ça s'est déjà bien montré, hein, dans la littérature. Le test de marche est bien sûr plus facile quand même d'accès en général, mais je pense que enfin, la VO2 a une vraie plus-value sur, là notamment, on voit le quotient respiratoire des patients qui est maximal, donc on sait qu'ils n'ont pas eu de limitation, pour moi en tout cas, orthopédique ou neurologique. Et que c'est vraiment un test qui est maximal, et ils ont été motivés, ils ont été jusqu'au bout, et on connaît la vraie capacité des patients. Je ne pense pas que ça a été un frein, en tout cas, la neuropathie dans cette étude, sachant qu'ils n'ont pas inclus beaucoup de TTR neurologiques, enfin héréditaires, et donc les neuropathies sensitives, enfin émotrices surtout, sévères, invalidantes qui empêchent de faire du vélo. Enfin, il y en a quand même moins dans les AL et dans les TTR sauvages, quoi. Une dernière question, parce que tu faisais bien remarquer qu'il y avait 25% des patients qui étaient encore sous bêta-bloqueurs, ce qui est quand même étonnant. Est-ce que, j'ai peut-être mal lu l'étude, est-ce qu'ils ont regardé quand même ce que ça donnait pour faire la différence entre les bêta-bloqués et les non-bêta-bloqués, pour voir s'il y avait un effet délétère des bêta-bloqueurs en termes de VO2? Alors malheureusement, il n'y a pas d'études vraiment qui regardaient l'effet délétère. La seule chose qu'on a, c'est dans le premier tableau que j'ai montré, où il montre donc le taux de bêta-bloquant dans les groupes entre ceux qui ont eu un événement, donc mortalité, réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et les autres, et il n'y a pas de différence sur le taux de bêta-blocage. Et enfin, en une minute, il y a dans l'étude de ta famille du New England, les patients en classe 4 étaient exclus. Et ceux en classe 3 avaient quand même une moindre efficacité en traitement. Est-ce que la VO2 inférieure à 13 et le NT-proBNP supérieur à 1800 devraient être un frein au tafamidis? Alors, comme vous savez, l'NYHA, bon, comme la VO2, ce n'est pas quelque chose qui est fixé dans le marbre et ça peut bien sûr s'améliorer, la réadaptation cardiaque, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire comme traitement. Bien sûr, les patients trop graves, il faut probablement les contre-indiquer au tafamidis, hein, ils ne vont pas en bénéficier, parce qu'on voit que dans l'étude, hein, ATTRACT, les courbes de mortalité, elles divergent vraiment après 18 mois de traitement, hein, sous tafamidis. Donc, effectivement, on peut se poser la question. Si le patient a un trop mauvais pronostic, est-ce qu'il faut le contre-indiquer au tafamidis, c'est qu'un pronostic dans l'année ou quelque chose comme ça. Là, sur les critères qu'on a, donc ce qui retenait à la fin, donc VO2 enfin, inférieur à 13 et NT-proBNP supérieur à 1800, on voyait qu'il y avait 50% à peu près de décès quand même à 20 mois. Donc c'est globalement 50% des patients qui ne vont pas du tout bénéficier du tafamidis parce qu'ils vont mourir avant. Donc oui, enfin, je pense que la VO2, ça peut avoir sa place pour discuter et stratifier le risque. Après, je pense que c'est une évaluation qui doit être multiparamétrique.
Et il faut pas du tout se baliser sur la VO2 pour contre-indiquer un patient au tafamidis, quoi. C'est bien sûr l'état général, enfin les comorbidités, etc. Si le patient à côté il a un cancer du poumon qui est en bout de course, qui voilà, les OCO disent qu'il a un an d'espérance de vie, c'est voilà. Je pense qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du patient et pas se baser juste sur la VO2 en tout cas. Merci beaucoup Arnaud. Il est 13h59. Je passe la parole au professeur Meunier. Merci beaucoup. Je tiens à remercier mes collègues modérateurs, nos deux intervenants, Lisa Green et Arnaud Galat, à tous ceux qui se sont connectés ou qui vont le faire. Et je vous annonce que la prochaine réunion de Bibliose est prévue le 27 mai à 13h30 précise. Merci beaucoup à tous. Merci à Thibault, bien évidemment, comme maître de cérémonie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.